pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un vlogmas. C'était pas prévu au programme que j'en fasse une, mais j'étais obligée d'en faire une histoire d'avoir au moins une édition. Donc aujourd'hui, donc je vais faire quelques trucs que je vais vous filmer, mais je vais faire en sorte que ce soit intéressant et pas trop long. Je pense faire sur plusieurs jours, mais assez différemment que Elise. Tout simplement c'est qu'en fait par exemple demain je vais peut-être pas tourner parce qu'il y aura peut-être rien à dire ou rien à faire d'intéressant. Lundi je vais peut-être tourner un petit peu et éventuellement mardi aussi pour que ce soit posté pour le 22. Je sais que je dois mettre en ligne, enfin déjà tourner, monter et mettre en ligne deux vidéos, c'est le Christmas Home Tour que je vais essayer de tourner en rentrant. Et je dois tourner aussi, en tout cas essayer de faire un maquillage pour les fêtes que je dois normalement poster pour le 22. Mais si j'ai le vlogmas, bah voilà. Après le vlogmas, je peux le mettre pour le 23, ce sera pas grave si vous avez deux vidéos d'affilée. Après tout, comme vous savez, je tourne. Je mets les vidéos un peu n'importe comment, spécialement pour Noël, parce que sinon si je respectais mes jours, bah vous aurez même pratiquement pas de vidéos. Donc voilà. Les seuls moments où je vais pas tourner, c'est le 24 et le 25. Je vais pas faire de vlogmas parce que c'est privé et puis on est sur voilà, Noël, on doit faire les préparatifs, on bouge. Donc voilà. Donc sur ce, là on va aller à Easy Cash. Je vais aller acheter les cadeaux de Noël de ma maman. Je vais essayer de filmer un peu à l'intérieur du magasin, mais c'est en fonction du monde et du temps que j'aurai. Et ensuite, je vous dirai ce qu'on fait dans la journée. Et puis, comme vous avez pu le constater, bah, je me suis un peu maquillée, histoire de dire, pour prendre l'habitude aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder. J'utilise le miroir comme retour. Coucou. Ma mère qui conduit à côté. Elle a klaxonné en plus. Non, c'est moi, pardon. Oui, c'est ce que je dis. Mais est-ce que j'ai fait comme ça, j'appuie sur... J'ai posé ma main trop sur le volant et évidemment, là, je le fais souvent voir, j'appuie Coucou. Sur le klaxon. Tourne ta tête vers moi. Hein? J'ai chaud. J'ai acheté les cadeaux. Je vais prendre ça pour les cadeaux de ma mère. Il y a mon pantalon qui se fait la malle. Prendre ça. Faut pas que ma mère les voie. Mais j'ai des yeux. Sauf que le problème c'est que vous pouvez pas m'aider puisque vous verrez la vidéo après. Donc on se retrouve à Easy Cash si on y arrive à arriver. Oh, le cercle de Noël. Hein? Il y a un cercle de Noël. Je sais pas si vous verrez. Longueur parking du Grand Pré. Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016. Cirque de Noël. Avec le Père Noël et le Roi Lion. Avez-vous déjà fait un cirque de Noël, vous? J'aimerais bien y aller. Oh. Ah, c'est à partir d'aujourd'hui? Bah ouais. Oh, pour aller jeter un coup d'œil. Bah je sais même pas où c'est, ça Longueur, je connais même pas Longueur. On va essayer d'y aller pour vous les amis, puisque c'est un vlogmas de Noël. Mais d'abord... Non, on n'ira pas, j'ai pas envie de me faire chier, j'ai encore du jeu de vidéo derrière moi. Méchante. Oui, je suis méchante, mais bref, faut que ça foute moi demain, hein. On se retrouve à Easy Cash. Wow. T'en fous, toi t'es en vacances, pas moi, hein. Bisous. All the way home I'll be warm, the fire is slowly dying. My dear, we're still goodbye. As long as you love me so. On se retrouve une heure après. C'était pesant. J'ai trouvé les One Direction à Easy Cash.
Merde! Sinon, ça va? Moi, je les ai trouvés à Géant. Non, pas Géant, à Carrefour. Dans les DVD promo. J'ai trouvé This Is Us. Ah, tiens, faudrait que je le regarde, This Is Us, tiens. Sinon, bah, j'ai acheté les deux cadeaux à ma mère. Je vais pas vous dire c'est quoi, hein, est-ce qu'elle est là, sinon ça va gâcher la surprise. Je peux même pas vous les montrer. Parce que, imagine, tu regardes ma vidéo, quoi, sans poster. Mais le truc, le mode gâchis de Noël. Ah, et je sais quoi, n'importe quoi. Là. Pas facile de se servir de ce miroir. Attendez. Voilà. Bonjour. Personne m'a envoyé texto. Je vais prendre mon goûter déjà, mettre un pyjama, prendre mon goûter. Ensuite, je vais emballer les deux cadeaux à ma mère. Donc, c'est deux DVD, mais je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je vais sûrement filmer ce passage-là où j'emballe les cadeaux. En tout cas, je vais essayer parce que j'ai pas de trépied. Ensuite, dès que les cadeaux sont emballés, rangés dans mon armoire, en attendant le 24 au soir pour les mettre sous le sapin pour les ouvrir le 25, je vais me démaquiller, allumer l'ordinateur et tourner mon Christmas on tour. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ce genre de vidéo là pour qu'elle soit en ligne ce soir, mais on va essayer quand même. Je vais essayer de la tourner, et si j'arrive vraiment pas à la tourner, et bah tant pis. Donc je vais tout faire mon possible parce que je l'ai précisé sur quelques réseaux sociaux que j'allais faire ça, donc je tiens à mes promesses. Tout à l'heure pour la suite des événements. Et aussi il faudra que je commence le montage de ce vlog, voir combien de temps ça dure déjà et voir si je peux caser d'autres jours à côté. Donc c'est-à-dire lundi et mardi. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vais arrêter de parler et puis on se retrouve chez moi. Voilà, après de goûter, je vais faire les cadeaux. Donc j'espère que je vais arriver. Donc après ça, je vais faire ce que j'ai à faire, ranger ça, les points que je dois ranger pour ma vidéo, allumer l'ordinateur et me démaquiller. Le goûter a été pris, donc c'était ma bonne chance pour les papiers cadeaux. Et je vous retrouve juste dès que j'ai fini pour montrer à quoi ça, comment ça donne. Parce que je tiens pas à montrer les cadeaux pour l'instant, vous verrez les cadeaux de ma mère quand je filmerai les cadeaux que j'ai eu pour Noël. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements. Salut, alors on se retrouve après quelques minutes, voilà, donc j'ai enfin emballé les cadeaux, mais j'ai envie de vous informer de quelque chose. Donc j'ai emballé les deux cadeaux à ma mère, donc ils sont juste là, normal, et quand je voulais emballer le troisième cadeau, donc celui-ci, donc on vient d'en parler avec ma mère, et le problème c'est que quand j'ai voulu regarder à l'intérieur pour voir si c'était le bon film, enfin si le film était pas rayé, parce que voilà, c'est un magasin d'occasion, il faut faire vraiment attention. Donc j'ai vérifié l'autre film, il sentait bon, propre, il était parié, enfin il était normal. Donc j'ai fait une bonne affaire pour 8,99€. Et quand j'ai voulu vérifier celui-ci, j'ai eu une surprise de taille. Donc déjà je vous présente les deux cadeaux. Donc voici un cadeau, voilà, et voici l'autre cadeau. Bon, je suis pas une pro d'emballage, mais c'est correct. Donc voici la surprise de taille. Voilà, ce n'est pas le bon film. Harrison Ford a beaucoup changé, hein. Comment vous dire que j'étais très très déçue quand j'ai vu ça. Sur ce, du coup, je vais ranger les deux cadeaux dans mon armoire.
Je vais aller allumer l'ordinateur et le temps qu'il chauffe, bah, je vais ranger ce qu'il y a rangé. Vraiment, ça permettra de faire un peu de ménage. Et tourner la vidéo. Et bien sûr, envoyer ce que je vous ai filmé là ce soir dans l'ordinateur, commencer à le monter. Et dès que, bon bah, après je vais vous retrouver pour vous dire au revoir, pour en fait clôturer le vlog, parce que pas qu'il dure trop longtemps. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous dire au revoir. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon vlogmas. Donc on est à peu près 2 jours après la première partie, donc on est mardi 22 décembre. Dimanche et lundi je n'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas intérêt. Du coup aujourd'hui je vais essayer de filmer les choses intéressantes pour pas que ce soit répétitif avec samedi, et je ferai de même pour demain. Donc le vlog va durer entre 20 et 25 minutes à peu près, pas plus, parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc j'espère que ça va vous plaire, et en attendant la suite des événements, vous allez m'accompagner pour mettre les calendriers à jour. Et surtout, à la fin de ce vlog, vous aurez une vidéo bonus faite par Skype le 12 décembre avec une invitée que je ne dirai pas le nom pour l'instant. Donc je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve après pour la suite des événements. Donc je vais essayer de filmer un peu après, mais vu qu'il fait pas tellement beau, je sais pas si cette journée sera intéressante. Là je suis dans un rayon et j'ai filmé vite parce que voilà, j'y allais à cause des gens. Donc vous faites des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure au centre-ville pour filmer. On se retrouve au centre-ville pour vous filmer tout ça. Donc je suis obligée de refaire à la fin parce qu'en fait j'ai mal coupé. Donc on se retrouve au centre-ville. Bisous. Bon bah on est chez mes grands-parents et on retourne à Carrefour pour acheter un téléphone à ma grand-mère, et ensuite on va en ville et je vous montre tout ça. À Carrefour j'ai parlé un peu à la va-vite parce que voilà, on n'a pas trop le droit de filmer. Donc vu que j'étais assez stressée qu'on me chope, qu'un client me chope. Enfin bref, je vous raconterai quelques petites anecdotes en rentrant et on se retrouve au centre-ville pour vous montrer tout ça et vous parler un peu vite fait. Je vous fais d'énormes bisous et puis à tout de suite. Alors là on est à Carrefour et pour la 50e fois j'utilise le miroir comme retour. Alors je voulais pas accompagner ma mère et je me suis dit bon bah si je l'accompagne pas, pourquoi pas vous tourner vite fait et vous dire une anecdote. C'est en fait ma mère qui a une chaîne YouTube. Alors pour celles qui ne savent pas, c'est One Direction Braise. Elle fait des vidéos montage sur les boys et ça fait quelques temps qu'elle utilise les mêmes formats que moi, c'est-à-dire format écran, enfin tout l'écran de YouTube. Elle a fait une vidéo d'anniversaire pour Louis. Sauf qu'au début, je crois qu'elle a dû bugger quand elle a fait la vidéo, enfin je sais pas, où elle était tellement crevée qu'elle a crié du grand n'importe quoi. Au lieu d'écrire Happy Birthday, elle a écrit Happy Birthday. Alors vu que là j'ai un peu de mal à dire à la façon qu'elle a écrit, je vais vous l'écrire de façon en bas pour que vous voyez comment elle a écrit. Donc c'est tout à fait normal si elle a fait des fautes. Enfin bref, je vais arrêter de parler et puis on se retrouve au centre-ville et je vous fais d'énormes bisous. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. Donc voilà, bah je suis rentrée chez moi, j'allume l'ordinateur pour continuer le montage de ce vlog. J'espère que la journée a été un minimum intéressante, mais chose qui est sûre, c'est pas du tout pareil que samedi. Donc demain, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu mieux. Et je sais que bon, la vidéo, bah, voilà, y a pas grand chose d'aujourd'hui, mais bon, alors, du moins que c'est bon. Après, une première fois à tout, on peut pas réussir tout du premier coup. Donc on va attendre l'année prochaine pour un prochain vlogmas, à moins que je veux en faire une autre avant la rentrée, mais c'est pas gagné. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, on se retrouve demain, et demain je vais vous montrer mon calendrier de l'avant de l'année dernière, et j'espère, et demain c'est des courses de Noël, voilà, pour le repas. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve à demain pour la suite des événements. Ciao.
Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour de mon vlogmas. Je tourne en fait dehors parce que j'ai la flemme en fait de filmer chez moi, enfin j'arrivais pas à filmer. Du coup je commence que maintenant, sachant qu'il est plus de 15h parce qu'en fait ce matin il n'y avait rien à filmer et je veux pas que ce soit répétitif avec les autres jours. Voilà. Donc là on va à Carrefour faire les courses de Noël, je vais vous filmer un peu tout ça, enfin je vais essayer. Et on se retrouve tout à l'heure chez moi pour vous montrer 2-3 trucs, mais ce vlog là va durer encore moins longtemps je pense que celui d'hier, parce qu'en fait ça dure déjà 15 minutes et 2 jours rassemblés, donc on se dit à tout à l'heure. Les amis, nous tournons la clé. Nous avons un véritable problème. Une catastrophe. Une catastrophe. Dans notre Carrefour Market, il n'y a pas nos bûches. Bon, on est obligé d'aller à un autre Carrefour, à un grand Carrefour, dans une autre ville. Dans un autre monde, oui. Nous allons prendre une soucoupe volante. Une soucoupe volante, ma mère est folle. Du coup, voilà. Notre bûche, la framboise et forêt noire, sont pas là. Si, la forêt noire, elle est là, mon petite. Et la forêt noire, elle est là, certes, mais elle est trop petite pour 11,90€, wesh. Et que la bûche framboise, elle est même pas là, quoi. Et il n'y a pas de bûche framboise, du coup, bah, on déclare un état d'urgence. Voilà. Donc on se n'exagérons rien. Non donc plus. On se retrouve plus tard, parce que c'est sûr, dans le grand Carrefour, je pourrais pas filmer, il y a trop de monde. Et regardez, il y a un cochon du Père Noël. On est au feu rouge. Allez, bougez, feu rouge. J'ai fait un gros zoom. Hop. Bon, on a pratiquement fini les courses, donc on se retrouve à la maison pour clôturer ce vlog avec une vidéo bonus comme je vous l'ai promis. Donc voilà, nous sommes rentrés, on a fait tout ce qu'on avait à faire, les courses et tout ça, tout ce qui est par contre acheté à la poissonnerie, bah, ça sera demain, enfin voilà, demain on aura encore quelques petites courses à faire, mais bon, ce sera du vite fait. Donc désolée si cette journée n'a pas été très intéressante, mais voilà, j'étais un peu bousculée par les événements, donc voilà, c'est un peu normal. Mais j'avais promis pour aujourd'hui aussi, donc je tiens mes promesses. Aussi, je vais aller allumer l'ordinateur, faire mon continu de montage et lui envoyer tout de suite la vidéo derrière. Et faire ce que j'ai à faire, c'est mes vêtements de Noël, ça, pour voir ce qui m'aime mieux, machin, pour demain et vendredi. Et aussi, avant de vous laisser avec la vidéo bonus, je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant de qu'est-ce que c'était mon calendrier, et ben voici. Voilà, c'est à l'envers. Waouh! C'est celui-ci. Voilà, c'est les One Direction. Hein. C'était il y a 2 ans. J'étais très contente de l'avoir trouvé à Leclerc. Enfin bref, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous laisse avec la vidéo bonus. Donc joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes et on se retrouve le 28 décembre pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera bien sûr mes cadeaux de Noël. Donc je vous fais d'énormes bisous et passez de bonnes fêtes. Pour la fin de cette vidéo, que je sais pas c'est quoi de vidéo, enfin vous verrez la vidéo, enfin bref, vous m'avez compris. C'est perturbant parce qu'il y a juste en face de moi une invitée surprise qui m'a filmé tout à l'heure, aussi stressant que moi d'ailleurs. C'est juste horrible parce que je les entends pas, mais je les vois à la caméra. C'est trop horrible. Enfin bref, je vais vous présenter une fille, une femme, ce que vous voulez, et son frère qui est starbé du cerveau. je sais pas si vous les connaissez, mais il faut vous abonner à eux. Donc je vais vous les présenter, c'est Élise, la fameuse Élise, hein, que j'arrête pas de vous parler dans chaque vidéo. Son frère Maxime, qui est fan des One Direction, miracle. Tenez, c'est un plafond, mais pour l'instant c'est pas grave. Coucou. Ils sont fous, hein. Alors bonjour, je m'appelle Élise Payu. La meuf c'est bon bonjour, on s'appelle Élise. Il est 20h03, c'était à ce moment-là, nous sommes le 12 décembre. Et on a un téléphone. Oh, mais c'est bon. Avec un chat. Et nous parlons avec Debbie sur Skype. C'est une fille super gentille et je vous conseille de vous abonner. Et si vous savez pas, c'est une fille. En fait, si vous n'avez pas compris, c'est sosie de Harry Styles, si vous êtes directionneur. Ouais, version leader prize. Hein. À 99 centimes. Bah voilà. C'est encore trop cher. C'est cool. C'est plutôt
c'est Noël, du coup il y a des... Donc voilà, pour faire une petite pub, mon frère aussi a une chaîne YouTube qui s'appelle Max Amuse et il a mis qu'une vidéo. Ouais. Donc voilà, je vous souhaite de vous abonner à la chaîne de Déby si vous êtes nouveau arrivant. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Oui, on dirait un robot. Si. C'est que tu passes sur ouais, YouTube. Bah, ça fait longtemps hein, que je fais. Ouais, mais là, c'est la honte. Là, c'est des nouvelles personnes qui vont nous voir. C'est devant 1670 abonnés. Hein. Salut les gens. La moitié des abonnés, c'est des directionneurs. Donc attention, ça va sauter sur la vidéo. D'accord. Si vous comprenez pas, j'ai un chat sur moi. Regardez le matou. Salut. T'as fini de filmer, non? Non, t'inquiète, hein. Enfin bref. Ah, je croyais qu'avec lui, c'était fini. Oh mon dieu. On va les montages qui existent. Ouais. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Allez vous abonner chez Elise comme d'habitude. Hein. Son lien est toujours en description, hein. Ça change pas. Et peut-être à Maxime s'il poste un jour. On sait pas. Ah, peut-être un miracle. Je pense que ce sera un bêtisier. La vidéo, parce que là, c'est vraiment pas possible. Un bêtisier. Wouh. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine ou pas.